Voilà les petites bêtes. Voilà le début. Voilà le début. Pourvu que ça dure, tu vois. Et c'était du T6, et là je peux les changer de maille maintenant. Là. Elles ont doublé là en 3 semaines. Elles ont doublé. Elles étaient. Tu vois, il n'y avait plus de petites parce qu'il n'y a pas de coquilles, tant mieux. Mais tu vois, voilà. Ça c'est superbe. Mais il faut que je les travaille parce que justement, tu vois, si on les laisse pousser, comme disait Benjamin, bah, elles font une forme n'importe comment. Donc le but du jeu c'est de casser la dentelle là, en les secouant, pour qu'elles fassent une forme bien ronde. Parfaite. Tu te rends compte qu'en mer, il faut 2 ans pour faire ça. 2 ans et demi pour arriver à ça. C'est pour ça que c'est beaucoup de manipulation, mais comme dit Benjamin, il faut qu'on retrace en marais ce que la mer ne fait pas. Donc ça c'est des lanteries. Et nous maintenant dans le marais. Et alors ça c'est les... C'est compliqué, c'est pas léger. J'ai quelques coquilles, mais bon, c'est pas comme ça, je peux plus avoir 100%. C'est pas possible. Donc ça c'est les plus petites qui restent de l'an dernier. Celles-ci elles sont énormes, mais elles sont encore un peu petites. Et voilà ce que ça donne. Ça c'est parfait. C'est l'huître parfaite. Elles sont rondes, corsées, coffrées. Tu vois, elles sont bien. Ça c'est parfait. Avec ça même, continuons à les travailler pour qu'elles gardent cette forme, bah, elles vont faire du gras. Pour les sortir, pour les laver, pour les exonder un petit peu, ça leur fait pas peur. D'apprendre à. Parce que le muscle s'habitue pour pouvoir démarrer. On a cassé la croissance et qu'en fait elle se fortifie et qu'elle fasse du gras et garder sa forme ronde parfaite. Donc ça on le fait 2 fois par semaine. Donc ça fait beaucoup de manipulation. Quand on mange à la fin le produit, on ne se souvient plus qu'on a été difficile.